Élection générale 2015 en Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire ont échangé sur le processus électoral avec un accent particulier sur la révision de la liste électorale. L'Intercoton Nouvelle Formule est née à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Elle prend en compte toute la chaîne des valeurs. Un nouveau président a été élu. Son objectif, porter la production à plus de 400 000 tonnes de coton et consolider les acquis. En Centrafrique, depuis quelques jours, des discussions sont en cours pour l'envoi d'une opération de maintien de la paix onusienne, surtout après l'incident entre soldats tchadiens et burundais. Le président français et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies soutiennent cette option. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Élection générale de 2015 en Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont échangé sur le processus électoral avec un accent particulier sur la révision de la liste électorale. Témoin pour RTI 1, Serge Colliard. Le président de la CEI, la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, et son excellence Terence McKellay, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ont longuement échangé sur le processus électoral à venir en Côte d'Ivoire. Considérons qu'il est très important pour la Côte d'Ivoire d'avoir une élection en 2015 qui se passe dans la paix, dans la tranquillité, et qui est une élection inclusive. Donc le rôle de la commission électorale indépendante est très important dans tout ce processus. C'était une bonne conversation et j'étais encore une fois très honoré d'avoir reçu une audience par M. le Président. Pour le diplomate américain, le rôle de la commission électorale indépendante est d'une importance capitale dans le processus électoral futur. Cette rencontre est donc enrichissante pour lui, a-t-il indiqué. Les États-Unis vont appuyer la Côte d'Ivoire dans la révision de la liste électorale. Son Excellence Terence McKellay, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance au président de la République le 21 novembre 2013. Une célébration de l'excellence dans le milieu des journalistes à Ebony 2013, c'était samedi dernier. Et pour la première fois depuis la création du prix Ebony en 1993, il n'y a pas eu de super Ebony. Et cette année, le niveau a été jugé moyen par le jury. Patricia Omuetia. Ebony 2013, 15e édition de la nuit de la communication, espace de célébration de l'excellence journalistique. Le jury a travaillé sur plus de 150 productions de la radio, de la télé et de la presse écrite. Trois nominés pour les Ebony Télé. La première place revient à Michel Digré. Sur près de 11 000 productions, si nous avons pu être Ebony Télé, je pense que c'est une fierté pour notre jeune carrière. Et je pense qu'on va, pour les années à venir, travailler encore plus pour mériter le super Ebony. Adama Koné et Eugène Atoubé ont respectivement occupé la deuxième et la troisième place. À la radio, deux nominés, Flora Ballot de Radio Côte d'Ivoire et Cheikh Ivan de Radio Nostalgie, qui est l'Ebony Radio. Dans la presse écrite, trois nominés, Théodore Quadio de Fratmat Info et l'Ebony 2013. Emmanuel Kouassi et Alexandre Lubel occupent les deuxième et troisième places. Les prix sectoriels habituels ont été reconduits. Pour le jury de l'édition 2013, le niveau baisse d'une édition à une autre. Et pour cause, pas de Super Ebony cette année. Le Super Ebony récompense le meilleur d'entre les meilleurs. Le prix Ebony est donc la mesure, l'une des bonnes mesures possibles de notre professionnalisme, de nos rapports à ce métier difficile dont on ne parle généralement que de la noblesse, en oubliant combien il est exigeant et combien il en appelle à la responsabilité sociale du journaliste. C'est une excellente décision parce que depuis longtemps nous déplorons la baisse du niveau de notre presse et c'est bien que le jury ait décidé de ne pas consacrer la médiocrité.
Le parrain de la cérémonie, Ahmed Bakayoko, le directeur général du journal Le Monde et le président de la Fédération internationale des journalistes ont tour à tour mis l'accent sur une presse professionnelle afin de rehausser la qualité des médias en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, sa structure montre chaque jour des signes de maturité. La soirée des Ébonies 2013 a pris fin dans une ambiance de fête, dans l'espoir de voir la consécration du Super Ébonie l'année prochaine. Et tout à fait autre chose, l'Intercoton nouvelle formule est née à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Elle prend en compte toute la chaîne des valeurs. Un nouveau président a été élu. Son objectif, porter la production à plus de 400 000 tonnes de coton et consolider les acquis. Noël Nyagno. Avec la réforme des filières coton et anacarde, l'Intercoton doit compter en son sein tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Producteurs, égraineurs, filateurs, triturateurs. Une assemblée générale extraordinaire constitutive de cette nouvelle Intercoton s'est tenue. Les tests conséquents ont été adoptés et un président a été élu, Thio Lassina. Il s'est fixé pour objectif augmenter la production et permettre ainsi aux usiniers de tourner à plein régime et procurer des emplois aux Ivoiriens. L'année prochaine, nous prévoyons au moins entre 400 000 et 450 000 tonnes. Je pense que c'est déjà important. À cela, il faut ajouter que la transformation de la fibre de coton ici en Côte d'Ivoire, il faut permettre à ces industries, notamment Gonfreville, Utexi, Côte d'Ivoire, de pouvoir redémarrer dans un processus aujourd'hui qui puisse leur permettre de pérenniser en fait cette activité. À chaque étape, c'est des Ivoiriens qui gagnent du travail et ça c'est beaucoup important. La filière coton, c'est plus de 2 millions d'acteurs, 10 usines de grainage et un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards de francs CFA. La production de beurre de karité constitue une source de revenus pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Mais face à l'inorganisation, ce secteur rencontre beaucoup de difficultés. Les producteurs et ceux qui interviennent dans la filière ont donc décidé de créer un réseau ivoirien de karité. Thérèse Tapeyoboué. Le karité est un arbre qui pousse spontanément dans les zones sahélo-sahéliennes. En plus de son utilisation au plan local en Côte d'Ivoire, ce produit est exporté sous forme d'amandes sèches et de beurre brut. La Côte d'Ivoire produit 35 000 tonnes de noix de karité par an et occupe la 5e place mondiale sur 21 pays producteurs. Cependant, la production du beurre de karité est encore artisanale et cette filière reste encore inorganisée. D'où la mise en place d'un réseau ivoirien de karité dénommé RICA Côte d'Ivoire. Le problème réel du secteur du karité, c'est le jus qui est imposé à la filière, qui met en trave au développement de la filière karité, qui occupe un grand nombre dans l'économie nationale. Nous souhaiterions que l'État révise le droit unique de sortie. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un produit aussi important pour les femmes du Nord puissent être coupées par des personnes pour en faire du charbon. À ces difficultés, il faut ajouter celle de la fabrication même du beurre de karité qui se fait de façon artisanale. Moi, je souhaite une aide. Le beurre que nous fabriquons, le travail est trop pénible pour nous. Donc, je souhaite qu'on ait une aide qui peut nous faciliter le travail. Des machines qui peuvent enlever directement le beurre. D'autres problèmes rencontrés dans la filière ont été relevés aussi par le professeur Nafon Diarasouba. Notamment, la faible capacité de production, la méconnaissance des coûts, les difficultés d'accès à des emballages appropriés et au financement. C'est pour cela que tous les intervenants ont encouragé les acteurs de la filière pour leur décision de s'organiser. Autre sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procède au recrutement de 2596 enseignants dans le supérieur. Ce recrutement concerne certaines disciplines en priorité, notamment le droit et les sciences économiques. Patricia Omou-Etia. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procède au recrutement de 2596 enseignants du supérieur. Priorité pour cette deuxième session, les enseignants en droit et en sciences économiques. Il y a eu une première session en août, les 13 et 14 août, où sur les 220 postes, nous avons recruté
208 assistants et contractuels. Il nous reste donc 12 postes à pourvoir aujourd'hui. C'est pour ces 12 postes que la commission se tient. Elle est obligatoire pour le recrutement des assistants de l'enseignement supérieur. Pour relever le niveau de l'enseignement dans les universités et grandes écoles, un accent particulier est mis sur la qualité et la crédibilité des diplômes des personnes à recruter. Et actuellement, nous sommes à 99 demandes pour 12 postes. Cela veut dire déjà qu'il y a un engouement. Mais le problème aussi, si nous n'avons que 12 postes, c'est parce que on a donné la priorité à la qualité. Et c'est pour cela que ces 12 postes seront attribués aujourd'hui. Pour combler le déficit, le directeur administratif des ressources humaines, Diakité Djimbala, promet que le taux d'enseignants à recruter sera revu à la hausse avec l'ouverture en 2014 de l'université de Mans et celle de Bondoukou et de San Pedro d'ici 2015. Une autre session est donc prévue en mars et avril prochain. La coordination des enseignants de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, JEPSI, a tenu son troisième congrès ordinaire. Objectif de ce troisième congrès ordinaire, mener des réflexions sur les conditions de vie et de travail des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire. Guy Roger Nguessan, Léon Broukwabé. Selon Patrice Silui, directeur de la pédagogie et de la formation au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, pour toucher la sensibilité d'une population, le médium le plus puissant et le plus accessible est sa langue. C'est bien l'objectif de cet atelier sur la traduction du manuel de référence de la CEDEAO. Ce manuel est relatif à la culture de la paix, à la démocratie et à l'intégration régionale. Il sera traduit en trois langues, le Dioula, le Baoulé et le Guéré. Ces langues n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été retenues après une observation attentive de leur nombre de locuteurs ainsi que leur implication dans le processus de développement et dans l'actualité douloureuse récente de notre pays. 51% de la population ivoirienne est non alphabétisée en français. Le message de paix, de réconciliation et de développement contenu dans le manuel de la CEDEAO sera mieux véhiculé dans les langues maternelles. Notre apport ici, c'est d'aider à la traduction de ce manuel pour que le peuple guéré puisse bénéficier, en tout cas, du contenu qui aide à la paix dans notre peuple. Après la traduction, notre souhait, c'est de vulgariser le contenu de ce manuel, aller un peu dans chaque village, tu seras lire et expliquer pour que le peuple puisse vraiment s'approprier l'enseignement de ce manuel. Le panel de cet atelier est composé d'experts de la CEDEAO, de traducteurs d'agents, du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ils se donnent 2 jours pour formaliser et adopter le chronogramme des activités de traduction. Un atelier sur la scolarisation des enfants des régions de Gbeke et du Hambol s'est tenu à Boaké. Il est organisé par l'organisation non gouvernementale Save the Children. L'organisation non gouvernementale Save the Children compte donner une chance à tous les enfants d'être scolarisés. Kades Godogo, RT Boaké. 4800 enfants déscolarisés vont retrouver le chemin de l'école en janvier 2014. Cela est une initiative de Save the Children à l'endroit des acteurs du système éducatif et des organisations non gouvernementales des régions de Gbeke, du Hambol et du Poro. Pour cela, une réflexion approfondie a été menée sur ce projet qui court jusqu'en 2016. Il s'agit d'un projet de construction d'école avec une forte implication des communautés. Cela est très important pour nous. Et après 6 mois de réalisation du projet, il est donc important que nous puissions faire un arrêt pour voir un peu comment est-ce que les choses se sont déroulées et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochaines années. Grâce à ce programme, il y a de nombreux enfants qui seront pris en compte, notamment des déscolarisés. Et vous savez qu'en la matière, lorsque les enfants sont dans les rues, et c'est un problème. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est une bombe à retardement. Demander à la population, à tous les participants à cet atelier, de prendre le travail au sérieux, compte tenu de l'objectif même que cet atelier vise. L'atelier s'inscrit dans la droite ligne même de la politique de Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui fait de son mieux pour promouvoir notre école ivoirienne. Au thème des 3 jours de réflexion,
Les initiateurs ont affiché leur satisfaction pour tous ces enfants qui vont retrouver le cursus scolaire. Autre information, l'organisation non gouvernementale Servie a sacrifié son traditionnel acte de Noël annuel en faveur des enfants déshérités de Côte d'Ivoire. Plus de 4000 enfants ont reçu des cadeaux de la part de Mme Henriette Conan-Bédier. Témoin pour RTI 1, Léon Broukouabé. Henriette Conan-Bédier, accueillie en camp samaritain par les pensionnaires des orphelinats de garçons de Benjerville et de filles de Grand Bassam. Normal pour ces tout petits sans père ni mère, la présidente fondatrice de l'ONG Servir vient dissiper leur angoisse. Ils forment la première vague des 4000 enfants déshérités, issus des centres sociaux, des quartiers précaires ou de parents dialysés, cibles des cadeaux de fin d'année de la part de Servir. Des présents pour leur apporter la joie qui est celle des autres enfants de leur âge en cette période de fête, mais aussi pour les encourager à de bons résultats scolaires. Vous êtes mes petits cœurs adorés. Est-ce que vous saviez ça? Alors une question. Avez-vous bien travaillé à l'école? C'est vrai? Je vais me renseigner auprès de vos maîtres. Non, je constate que ça doit être vrai, sinon vous ne serez pas là pour recevoir vos cadeaux. Assister les enfants déshérités, sens du don de Mme Henriette Conan-Bédier. La présidente fondatrice de l'ONG Servir y parviendra comme à ses habitudes lorsqu'il s'agit d'égayer les personnes qui en ont le plus besoin. Un plan d'action de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture a été élaboré au bénéfice des communautés de la sous-préfecture de Béadi. Béadi, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle porte sur la sensibilisation, l'information et le développement d'activités génératrices de revenus des populations dans la cacaoculture. Et ce plan sera exécuté par l'organisation non gouvernementale Femmes Action au Développement, nous dit Eugène Atoubé. 22 localités des sous-préfectures de Puyo et Miyagi disposent aujourd'hui d'un plan d'action de lutte contre les pires formes du travail des enfants. Ces actions portent sur la sensibilisation des communautés, lesquelles sont appelées à se mobiliser pour s'engager dans cette lutte. L'ONG Femmes Action Développement se charge de mettre à exécution ce plan d'action de lutte contre les pires formes du travail des enfants sur une période de 10 ans. Selon Dorothée Gogoua de l'ONG FEMAD, l'alphabétisation, la scolarisation à travers la réhabilitation, la construction d'écoles et la mise à disposition des communautés d'ouvrages socio-économiques de base vont contribuer à réduire considérablement ce phénomène. Arnaud Kwaku Kwadio et Zéré Seri, respectivement sous-préfet de Miyagi et Opuyo, ont aussi appelé les communautés visées par le projet à y contribuer efficacement. Ces communautés bénéficieront du reste, dans le cadre de ce projet, d'activités génératrices de revenus. Une voleuse de bébés et un filou et un braqueur ont été mis aux arrêts respectivement à Boaké et à Botro. Mariam Ouattara a tenté de distraire une mère pour fuir avec l'un de ses jumeaux. Quant à Souaga Kwaku, un dangereux coupeur de route, la gendarmerie l'a appréhendé et mis aux arrêts, nous dit Kwadjo Kwame de RT Boaké. Les vieux démons sont de retour. C'est le cas de Souanga Kwakoué, dit 35 ans, embusqué entre Diabo et Ngata Kofiko. Cet individu est armé d'un fusil calibre 12 pour intimider et déposséder les honnêtes citoyens de leurs biens. Souaga avait en sa possession de la drogue destinée à sa propre consommation. Ce hors-la-loi est mis aux arrêts par la gendarmerie de Botrou, qui n'a aucun moyen de locomotion dans une zone où les criminels foisonnent. À Boaké, Dame Ouattara Mariam, 31 ans, s'est rendue coupable de vol de bébés. L'enquête diligentée par la brigade de recherche de Boaké révèle que c'est au marché de Gros que l'indigne Mariam a rencontré Mademoiselle Koné, qui avait sur les bras ses jumeaux et leur grand frère. S'étant apitoyée sur le cas de la jeune mère, elle lui a remis une adresse afin de rencontrer un monsieur à Dar es Salaam pour lui remettre un mouton, tout en gardant avec elle l'un des enfants. La mère des jumeaux partit réceptionner le mouton. Dame Ouattara emprunte une moto pour se rendre au corridor nord de Boaké. De retour de Dar es Salaam,
sans le mouton et ne voyant pas son enfant, Mademoiselle Koné se mit à pleurer. C'est le conducteur de la moto qui l'aide à retrouver la voleuse de bébé qui avait déjà en sa possession un ticket pour sortir de Bouaké. Vigilance, nous sommes en période choisie par les malfaiteurs pour sévir. La COPSI apporte son soutien à la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, la COPSI renforce les capacités des élus locaux et membres de la société civile pour une meilleure maîtrise des outils de la bonne gouvernance. Et c'est à Bouaké. Ouattara Amadou Walter. La coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire, COSOPSI, apporte sa contribution à la promotion de la bonne gouvernance dans le pays. À Bouaké, cette structure vient de procéder au renforcement des capacités des élus sur la bonne gouvernance locale. Une trentaine de participants, élus locaux, acteurs de la société civile et points focaux, membres des comités de veille et de paix de la COSOPSI, venus de Daloa, Man, Korogo, Anyama, Bondoukou et Bouaké ont pris part à ce séminaire sur la gestion budgétaire des collectivités. Aussi, pour les organisateurs, ce regroupement vise à favoriser un cadre de collaboration entre les acteurs de la société civile et les élus locaux pour une meilleure coordination des actions de développement à la base qui tiennent compte des besoins réels et vitaux des populations. Une campagne d'information et d'explication à l'endroit des populations pour une meilleure compréhension de l'esprit de la décentralisation est envisagée dans les prochains jours. Un reportage de Ouattara Amadou Walter de RTI Bouakish, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015. Force 2015 a fait des dons de vivres et de non-vivres à l'ONG Lobus Action qui lutte contre le handicap dans la localité de Sangon. Elle a profité de cette cérémonie pour inviter les populations de Sangon à la paix et à la cohésion sociale. Guiroje Nguessan, Léon Broukwame. Des vivres et non-vivres pour soutenir l'ONG Lobus Action, engagée dans la lutte contre toute forme de handicap. C'est un don de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, Force 2015, dirigée par Charles Niaouri. À ses côtés, Eugène Djoui, cadre du Front populaire ivoirien et Elie Alassou du mouvement Ouattara 2015, c'est maintenant, ainsi que des cadres locaux du Rassemblement des Républicains. De Sangon Braté, cadre de leur action humanitaire, ils appellent à la paix et à la réconciliation. J'ai voulu me faire accompagner de Jean Dieu et Elie Alassou, simplement pour montrer le nouveau visage de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse au travail, une jeunesse engagée pour la paix, une jeunesse qui veut la réconciliation. Je suis convaincu avec tous les Ivoiriens qu'aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens, il faut la paix. Il faut la paix, il faut la réconciliation, il faut la cohésion sociale. Et donc là où on parle de la paix, je suis là. Absent de la cérémonie de don du fait d'un sévère handicap, le fondateur de l'ONG Lobus Action a reçu le réconfort des donateurs. Beugre Loba Gilles a dit à ses bienfaiteurs sa détermination à œuvrer pour la cause des handicapés. J'ai un grand ennemi. L'ennemi, c'est la polio. C'est la polio qui a fait qu'aujourd'hui, j'étais resté au soleil là, en tant que vous êtes là-bas. Mais cet ennemi, aidez-moi à le combattre. Ce que je souffre, je ne veux pas qu'un enfant sur cette terre souffre de cela. Fraternité, solidarité et entraide, trois valeurs chères à Force 2015, se sont encore affirmées à Sangon Mbraté. Prévention de la transmission, mais enfin contre le VIH-Sida, c'est le thème de la conférence publique animée par le docteur Ngoron Yao Augustin, gynécologue obstétricien au CHU de Dembokro. Il invite les populations à observer scrupuleusement les consignes de prévention contre le VIH-Sida. Thérèse Tapé-Yoboué. À Dembokro, en 2012, sur 699 femmes dépistées, 23 ont été déclarées séropositives, soit 3,4% quand seulement 2% des conjoints de ces femmes ont été dépistés. Au titre du traitement, le taux de retrait des patients sous antirétroviraux à 6 mois était de 80% et de 59% à 12 mois. Avec ces chiffres, on ne peut pas arriver à l'objectif de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH-Sida, a déploré.
le conférencier. Fait rassurant, sur 38 enfants issus de mères séropositives, aucun n'est déclaré séropositif. Docteur Ngouran Yao-Augustin a invité les populations à connaître leur statut sérologique et à observer scrupuleusement les consignes de prévention. Pour sa part, le préfet Nguessan Aobo-Jack a insisté sur l'effectivité du VIH-Sida. Il a appelé à la mobilisation de tous pour agir ensemble contre ce fléau afin que les efforts de développement de l'État ne soient pas vains. Pour les fêtes de fin d'année cette année encore, les coiffeuses font preuve d'imagination. Vous pouvez découvrir ici en Côte d'Ivoire des coiffures nommées Jet Li, Rihanna et bien d'autres. Il y a également les fossiles. En tout cas, les femmes mettent tout en œuvre pour être belles pour ces fêtes de fin d'année. Regardez. C'est connu. La période des fêtes de fin d'année, c'est la traite pour les coiffeuses. Nombreuses sont les femmes qui tiennent à se faire belles pour amorcer la nouvelle année. C'est les fêtes de fin d'année pour se rendre belles pour toute la famille. Et elles ont le choix entre les perruques, les tresses et les tissages. Il y en a pour tous les styles, des plus lisses aux plus bouclées, des noirs aux rouges flamboyants. La coiffure se décline sous toutes les tendances, inspirée de noms de stars du cinéma ou de telenovelas, notamment Beyoncé, Jet Li, Annabella, Rihanna. La coiffure Rihanna, c'est comme ça, ça se tisse. Donc quand on fait la coiffure Rihanna et puis on boucle derrière, on fait la coupe bien chic, c'est ça, on donne ce nom à Rihanna. La main s'appelle Boum Boum. La coiffure même, c'est Rajou. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle s'est mariée avec mon teint. La tendance en ce moment, les brésiliennes. Des mèches naturelles provenant de la Chine, de l'Inde, de l'Europe ou de l'Amérique latine. Ici, c'est 45 000. Ici, c'est 40 000. Ici, c'est 35 000. Et puis ici, c'est même 45 000. 3 boules, 20 têtes. Avec 120 000. Se coiffer pour se métamorphoser, cependant, ce tact ne suffit pas à lui seul pour plaire. Les accessoires sont également nécessaires, les fossiles, les faux ongles, et les femmes s'en donnent à cœur joie en période de fête. Les Ivoiriens bénéficiés de bourses pour des formations en Inde font partager leurs expériences par rapport aux formations reçues. Cela a eu lieu lors d'une réception organisée par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Anil Kamacharan. Sidonie Wakadavila, Fatou Fofana. Chaque année, près de 100 professionnels sont pris entièrement en charge par l'État indien pour une formation high-tech, Indian Technical and Economic Corporation. L'importance de cette formation, dont la période minimum est de 2 mois, est de permettre à ces personnes de se perfectionner dans leurs différents secteurs d'activité. C'est le cas d'Elvis Kra, analyste financier, évaluateur de projets au Bénin, ainsi que plusieurs autres de ses camarades, qui, une fois de retour, continuent de mettre leurs compétences au service de la nation. J'ai eu donc l'opportunité de me rendre en Inde pour suivre une formation dans le cadre de ce qu'on appelle le SME Banking and Financial Services. C'est un nombre de choses qui, normalement, doivent nous permettre d'accompagner le programme de gouvernement, c'est-à-dire l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Étant donné que je travaille au ministère du Tourisme, nous avons appris beaucoup de choses que nous devons mettre en pratique au ministère du Tourisme. Le tourisme interne, surtout, est protéger la faune et la flore. Les Indiens ont bien compris et je pense que nous allons le mettre en pratique pour l'avancement du tourisme en Côte d'Ivoire. En l'honneur de tous ces récipiendaires, comme il est de coutume au programme de l'ambassadeur, un dîner de réception pour partager leurs expériences et les avantages liés à ces formations. Cette action qui touche à l'avenir de la Côte d'Ivoire est à mettre à l'actif du renforcement de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Une coopération qui se veut avant-gardiste, a souligné le directeur de la coopération bilatérale du ministère des Affaires étrangères, Kofi Fana Théodore. Au Mali, après la décision de la Cour suprême sur instigation du gouvernement de saisir l'Assemblée nationale pour engager une procédure judiciaire contre l'ancien président malien Amadou Toumani Touré pour haute trahison, les réactions se multiplient, proviennent des associations non gouvernementales pour qui les autorités actuelles aurait pu réagir en son temps, ne serait-ce que pour dénoncer l'entrée des forces étrangères au Mali. En Centrafrique, depuis quelques jours, des discussions sont en cours pour l'envoi d'une opération de maintien de la paix
onusienne, surtout après l'incident entre soldats tchadiens et burundais. Le président français François Hollande et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Ban Ki-moon soutiennent cette option. Mais la présidence centrafricaine ne veut pas entendre parler de casque bleu dans le pays, en tout cas pas pour l'instant. Toujours en Centrafrique, le Tchad a lancé il y a une semaine un pont aérien pour évacuer ses ressortissants de la Centrafrique où ils sont victimes d'attaques des autochtones. Plus de 4000 Tchadiens ont été évacués. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.